j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous retrouvons pour Super Séducteur 2. Mais avant de démarrer cette vidéo, j'ai deux points importants. Vous vous dites déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la vidéo est sortie aujourd'hui? Elle n'est pas sortie hier. Alors justement, je suis désolée de sortir la vidéo samedi, donc c'est pas grave. Je me dis au pire des cas, vous ne l'avez pas eu vendredi, voilà, la vidéo sort samedi. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pu sortir la vidéo hier et pourquoi surtout je n'ai pas pu la tourner hier. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo du coup. En fait, vous devez, ça se trouve, entendre un gros bruit ambiant derrière et je m'en excuse d'avance les amis. À partir de maintenant, vous voyez que derrière, en fait, il y a mon imprimante 3D qui est par terre. Alors vous allez vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'elle fout par terre cette imprimante 3D? Elle était dans le salon, à protéger tout ça, et en fait, hier, dans la nuit, du coup, Oreo a eu la super idée magnifique d'attaquer la housse, de sortir la housse et de bouffer et de sectionner en deux un des câbles de l'imprimante 3D. Mais attention, pas le câble d'alimentation, le gros câble mastodonte, non, vous savez, des tout petits câbles, en fait, qui sont accrochés à la carte mère de l'imprimante. Donc, il a fallu que j'aille acheter des dominos, du scotch exprès, parce que pour l'électricité, il faut des scotch bien spécifiques. Donc voilà, il a eu la très bonne idée de bouffer les câbles. Il en a bien bouffé un, l'autre, il l'a sectionné en deux. Donc voilà, il fallait mettre les dominos, tout ça, couper le câble proprement, sortir les fils, tout un truc chiant. Aussi, il a bouffé d'autres endroits de l'imprimante, donc c'est en cours de réparation aussi. Donc c'est assez chiant. Donc du coup l'imprimante n'est plus dans le salon. Maintenant elle a bougé, je la mettais en fait sur la table. En fait j'ai une zone dans le salon et je pouvais la mettre là. Sauf que là je n'ai pas de meuble adapté pour la machine. Et le seul endroit ouais, où elle est protégée finalement c'est dans mon bureau. Et les modules, enfin là ce que je suis en train d'imprimer du coup, là elle est en pleine impression. C'est pour ça que vous entendez un bruit chiant. En fait j'imprime des modules d'amélioration pour la machine. Des petites roues d'amélioration. Si vous voulez je peux vous montrer une des roues qui est terminée. Et il m'avait dit 1h30. On en est déjà à 2h d'impression. Ça dit n'importe quoi, par contre, au niveau des heures d'impression, c'est pas du tout les bons trucs. Donc, vous voyez ce que c'est en train de faire. En fait, c'est un petit module. Alors, vous allez rien voir. Vous n'allez rien voir du tout. Tellement c'est... on peut le mettre comme ça au niveau... C'est tellement... Voilà. En fait, c'est un petit module comme ça que je vais mettre sous la, le bultac, en fait, pour pouvoir régler en fait la table d'impression, pour pouvoir la régler proprement, parce qu'en dessous c'est chiant, c'est des petits modules tout chiants, et là avec ça, ça ira beaucoup plus vite pour visser. J'en ai 4 imprimés, j'en ai qu'un seul, là c'est que le deuxième en impression. C'est très long, c'est très très long, mais voilà. Donc les amis, je m'en excuse par avance si vous entendez un bruit ambiant, je suis désolée, tout ça aurait dû être fait hier, mais voilà, Oreo a fait qu'il a tout bousillé, et il a fallu vite réagir. Donc les amis, si vous avez par contre des petites méthodes, des life hacks, parce que je voudrais acheter un meuble. Sauf que comme vous voyez, j'ai pas une place énorme dans le bureau. Il va vraiment falloir que l'imprimante aille sur le côté là-bas. Sans plus tarder, on va démarrer sur Super Séducteur 2. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas retourné dessus. Et vous m'aviez demandé de nouveau une vidéo dessus. Donc à partir sur le mode histoire. Mammouth plus âgé, femme plus jeune. Ça sonne comme, comme vieux film. L'homme, le mythe, la légende. Mammouth est arrivé. Il y a des rendez-vous. Pourra-t-il séduire sa Habibi? Ses 25 années d'écart seront-elles un atout ou un obstacle? But, l'amour de Habibi. Et bah c'est parti. On va démarrer tout de suite sans plus tarder. On va regarder ce que ça va donner. S'il faut, elle va lui mettre un gros coup dans la gueule. C'est pas trop cliché la musique qu'ils mettent là. Ah putain. Enfin. Allez Starbuck. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend son match Tinder. Musique exotique entraînante. Oh là là. Photo récente et ressemblante. Photo de Richard. Vieille photo de Mammouth. Photo d'un mannequin arabe. Choisir ta photo Tinder. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, le coup de Tinder. Bah là, il faut mettre une photo récente et ressemblante, hein, parce que... Sinon, vous voulez qu'on fasse quoi? Vieille photo de Mammouth. Genre, la vieille photo, c'est celle à gauche, je pense. Moi, je mettrais une photo récente. La meuf, elle va se barrer direct, hein. Non, moi, je mettrais une photo récente direct. Ok, en fait, il est assez âgé et pas très séduisant. Il devrait pas être sur Tinder, si. Ouais, c'est peut-être à éviter dans ce cas. S'il est dessus, il ne donnera pas beaucoup de suggestions avec sa vraie photo. Hein. Bah oui, mais bon, c'est important. On va quand même pas mentir. Oh, ok, bah écoutons, on va mettre une vieille photo de lui dans ce cas-là, il était bien. Il a aucune raison d'être sur Tinder, je dirais. Mais qu'est-ce que tu penses de la photo vieille de 32 ans? Non, 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 tu vas te faire griller. Mais...
Attendez, par contre, on passe ça, je m'en fous des séquences où ça parle comme ça, voilà. Moi, je veux voir les suites d'interactions, je m'en fiche des séquences où ils sont en train de blablater et dire « Oh, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Quel lieu choisir ? Bar clandestin ? Prendre un verre dans un bar à la mode ? Restaurant chic ? Bon, on va mettre un restaurant chic, du coup, si le mec est friqué et tout, oh là. Emma, assis-toi, je t'en prie. Ah, elle va être tellement déçue. Please be seated. Bah, regarde la photo, mon gars. Tu ressembles pas à ta photo ? Tu ne ressembles pas non plus à ta photo, t'as l'air plus vieille. Lui dire qu'elle est superficielle, reconnaître que ton assistante a fait une erreur et présenter tes... Allez, on parle de l'assistante qui a fait une erreur. Je l'ai virée. Quoi ? Oh, c'est tout. Calme-toi, calme-toi. Pourquoi il parle comme ça ? C'est du passé. Non, non, non. Je vais la décapiter. C'est ridicule. Non, c'est terminé pour elle. Ok, je reste, je reste. What the fuck ? Le mec, il dit qu'il va décapiter la meuf. Mais il est malade. Assieds-toi. Je t'en prie. Mon garçon, une chicha fraîche jonquille. Pour ma princesse et moi. La meuf, elle a l'air de pas du tout vouloir. On est dans la merde. On a dit on a mytho depuis le début, quoi. Lui faire beaucoup de compliments pour qu'elle se sente bien. Lui dire qu'elle n'est pas superficielle et moralisatrice, contrairement à la plupart des femmes de son âge. Là, je pense clairement qu'elle le prend mal. Lui demander si elle est encore vierge. Là, je pense qu'elle le prend mal. La complimenter en lui disant qu'elle ressemble à ta fille. Ouais, ça, c'est un peu bizarre. Moi, je la complimenterais simplement. T'as vraiment pris la bonne décision. Je suis content que tu sois resté. La meuf, elle s'en fout. C'est une occasion très spéciale. On est peut-être fait l'un pour l'autre. Non, mais il va lui faire peur. Là, il est fou de faire ça. Emma, tu es exceptionnelle. Elle a même pas ouvert la bouche. Elle a rien dit. T'es une fille spéciale. Oh, merci. J'apprécie le compliment. T'as l'air si exotique. T'es très belle à l'intérieur. Alors, tu fais quoi dans la vie ? Dire que tu as une entreprise familiale, les fermetures à glissière IKK, enfin YKK, lui dire de ne pas s'en faire pour l'argent et que tu t'occuperas d'elle. J'adore ce que je fais et j'essaie de faire bouger les choses. Écoute, je ne suis pas venue ici pour parler affaires avec une femme. Je pense que la réponse D, ça peut clairement énerver la nana. Je pense que ça peut l'énerver et la faire potentiellement partir du restaurant. Donc, le coût de l'argent, je pense que... C'est pas une bonne idée d'en parler, parce qu'elle te demande ce que tu fais dans la vie, elle te demande pas que, que t'es en mode « vas-y, je te donnerai les plus beaux colliers, ceci, cela ». J'adore ce que je fais, j'essaie de faire bouger les choses, je veux lui dire que j'adore ce que je fais, j'adore faire, je veux faire bouger les choses, tout simplement. Je veux dire ça. Eh bien Emma, j'adore ce que je fais, et j'aime faire bouger les choses. Moi aussi, c'est vraiment important. Au moins, on a quelque chose en commun. Oh là, ouais, c'est sympa. Emma, je t'ai déjà dit que j'étais un médecin diplômé. Oui, j'aime offrir mon aide à la communauté quand je le peux. Oh, c'est génial! Il va dire qu'il fait de l'esthétique. Mais non, il est médecin, il fait quoi? Ça sent la connerie, le mec qui est fou et tout. Je vous en prie, je suis prêt. Enlevez votre jolie robe et préparez-vous pour l'examen. Votre chaise vous attend. Alors Mahmoud, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Emma, on n'est pas là pour Mahmoud. On est là pour parler de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime lire, écrire. Je pense pas qu'il est vraiment médecin ou gynéco. J'aime danser. Danser ? Quel genre de danse ? Surtout classique. Du ballet ? Du ballet russe ? J'ai jamais vu du ballet russe. Je vais vous réserver des places. Nous réserver des places peut-être. Mais ça va trop vite ! Ça va trop vite. Lui demander s'il a déjà fait l'amour sur un cheval. Faire une supposition en te basant sur ses centres d'intérêt. Non mais... Je pense que la réponse A va la faire partir là aussi, hein. On va dire ça. Attendez, le but, c'est de la pécho. Si je fais ça, c'est mort. Donc, tu aimes lire, ce qui veut dire que tu es intelligente. Alors, tu peux lire et être con comme un manche à balai. Hein. Tu aimes écrire, ce qui veut dire que tu es curieuse. Et tu aimes le ballet. Tu es cultivée. J'ai raison. 5 étoiles pour Mahmoud. Et c'est pas pour me vanter. Merci beaucoup. Oh là là, il la flatte de ouf. Bon, dis Mahmoud, t'as quel âge? Oh, 50 ans, mais je suis jeune à l'intérieur. Dans ma famille, on dit que l'âge dépend de la somme des petites filles épousées. Oh, wow, lui dire qu'elle est trop jeune pour toi et lui demander si elle est mature. Je veux dire 50 ans, mais je pense direct qu'elle va m'envoyer chien. Moi, je suis sûre qu'elle va m'envoyer chien. J'ai 50 ans, mais qu'est-ce que l'âge? Oui, j'imagine que c'est vrai. Je peux m'entendre avec tout le monde. Tu aimes les femmes plus jeunes? J'adore les femmes plus jeunes.
parce que je suis jeune à l'intérieur. J'ai tant d'amour à donner. Et qu'est-ce que tu fais quand elles vieillissent? Oh, oh là! Il a dit en gros que quand elle vieillissait, elle, il les remplaçait. Il a l'air d'être agacé là, non? Mais parle-lui, fais quelque chose! Faire semblant de lire tes emails, lui dire qu'elle utilise trop son téléphone, prendre son téléphone et le jeter dans son verre, faire semblant d'avoir un appel important du président. Ah, vas-y, on va faire semblant d'avoir un appel hyper important. Hello? Robert, comment tu vas? How are you, Mr. President? Monsieur le président. Oh, it's un plaisir de te parler. Ah là, elle est intéressée là. Yeah, est-ce que tu viendras au baptême de Jenny? Oh, ça sera merveilleux. J'ai hâte de te voir. Oui, absolument, un plaisir. Oh là là, d'un seul coup, elle est intéressée, hein. Oh là, on dit qu'on parle à monsieur le président, d'un seul coup, il y a du monde au portillon. C'était qui? Robert, mon ami, Robert Mugabe. T'es ami avec Robert Mugabe, pardon. Oh mon dieu, tu dois connaître plein de monde. Là, comme par hasard, elle est intéressée. Alors là, là, c'est pas bien. 15 minutes plus tard, Emma, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose. C'est peut-être la différence d'âge. Mais j'ai une proposition pour toi. Oh là, oh là. C'est-à-dire, l'invite à devenir une de tes... Oh, il est sérieux? Ah non, mais sans hésiter, la réponse B. Attendez, on va l'inviter à une soirée caritative. Pour Amnesty International. Et si tu m'accompagnais? C'est une occasion en or, il y aura des gens importants. Tu pourras porter ta jolie robe. Mais qu'est-ce qu'il a avec les robes? Il y aura plein d'œuvres d'art et de la cuisine gastro. Ça a l'air d'être un truc vraiment génial. Ah, ça sent le bête. Mais je vais y réfléchir, promis. Je t'enverrai un message. Emma, je suis vraiment désolée, chérie. J'ai un rendez-vous d'affaires important. T'es vraiment charmante. Mais je vais y aller aussi. Je vais faire en sorte que tu rentres bien chez toi, ok? Oh, non, 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 t'as pas à t'inquiéter. T'es déjà très généreux. Bah là, on a foiré, là. Ça a foiré, là, du coup. Si la meuf, elle revient... Ah, oh, c'est un autre rendez-vous Tinder. Non. Mais non, c'est un autre rendez-vous Tinder. J'hallucine. Ah, j'ai presque fini ma pièce. On s'en fout, hein, mais bon. Moi, je suis contente. Celle-là a l'air plus sympa. Oh non. Attendez, c'était ça? Ok, là, j'ai l'impression qu'on a fait des bons choix. Et là, les oranges, c'était pas les bons choix. Oh, le temps, les amis. Le temps, le livreur Amazon qui m'a ramené mes bobines. J'avais commandé des bobines supplémentaires. Et il pleut. Et j'ai eu la super bonne idée d'y aller en chaussons. Résultat, mes chaussons sont trempés, mes chaussettes aussi. Oh là 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 là. Avant d'arrêter cette vidéo ici, les potes, petite information. J'ai ouvert cette semaine un compte YouTube. N'hésitez pas à les checker dans les commentaires. YouTube, c'est quoi? C'est un site où vous pouvez poster dessus. En fait, ça poste automatiquement vos dernières vidéos. Et vous avez la possibilité de cliquer et regarder une publicité. Ce qui fait qu'en fait, ça monétise pour la personne. Et ça lui permet de toucher de l'argent. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et grâce à vous, voilà, je peux m'améliorer en matos. Là, j'aimerais acheter une caméra de vlog. Donc, je suis en train de mettre de côté actuellement pour acheter une caméra de vlog. Pour pouvoir vous faire pas mal de vlogs par la suite. Mais donc, n'hésitez pas à aller checker. Tout est listé dans la barre d'infos. Et ça permet de soutenir la chaîne. Et ça fait grave plaisir. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous aime 3 fois 1000. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux multiples réseaux sociaux qui sont listés juste en dessous. Allez! Ciao tout le monde, et n'oublie pas mon petit Michel, ce soir à partir de 21h, je suis en live. Et oui, 21h, 21h30, regarde un petit peu sur Twitter, je l'annoncerai. Allez, des gros bisous tout le monde, ciao.